Tu veux faire de ta femme ce que tu veux, mets-la en sécurité, tu as fait ce que tu veux. La femme ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Mais si tu lui cèdes une partie de ton pantalon et prends sa jupette, elle va te prendre ton autorité. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi est-ce que tu n'as pas de succès auprès de la gente féminine? Il est fort probable que si à ce jour tu manques totalement de succès auprès de la gente féminine, c'est très certainement parce que tu ne sais pas vraiment ce que les femmes attendent de toi en tant qu'homme. Parce qu'il y a une réalité qui est celle que pour beaucoup d'entre nous, il y a ce que beaucoup de femmes vont dire parce qu'il y a le socialement correct ou parce qu'il y a une pensée unique qui voudrait que la femme se comporte d'une certaine manière. Mais moi, je suis de ceux qui pensent que la nature a des lois immuables qui ont été vraies hier et qui continueront d'être vraies dans 100 ans, dans 1 milliard d'années. Et tant et aussi longtemps que tu vas vouloir traverser ces lois-là, de deux choses l'une, soit tu n'auras pas du tout de succès auprès de la gente féminine, ou alors tu auras un succès auprès de la gente féminine, mais qui n'ira pas bien loin. Bref, je ne vais pas aller plus loin que ça et je t'invite vivement à écouter attentivement la coach Mada Sangaré. C'est une femme qui n'a pas sa langue dans sa poche. C'est une femme qui, lorsqu'il s'agit de relations de couple, s'il y a bien une chose que j'apprécie énormément chez cette dame, c'est sa clairvoyance, c'est sa bienveillance, mais surtout la justesse dans ses mots. C'est une femme très juste. Voilà pourquoi je t'invite vivement à prendre le temps de l'écouter afin de pouvoir bénéficier de toute la quintessence de son message. Générique. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Le mari n'a pas d'argent, le mari n'a pas d'amour. C'est l'ordre et la discipline, juste le comportement, les valeurs et l'éducation. C'est tout ce qui fait le mariage. Tu as une femme mal éduquée en face de toi, faut pas la marier, elle n'est pas mariable. Tu as un homme mal élevé en face de toi, fainéant en face de toi, faut pas te marier avec lui, il n'est pas mariable. Comment? Un homme fainéant n'est pas fait pour te marier. Un homme fainéant n'est pas fait pour te marier. Un homme arrogant, un homme indiscipliné n'est pas fait pour te marier. Un homme c'est la sécurité, un homme c'est l'ordre, un homme c'est la discipline, un homme c'est le respect. Parce que Dieu l'a déjà établi en tant que chef. Un chef c'est pas n'importe quoi. Un chef ne se fait pas entretenir. Un chef ne se fait pas entretenir. Répétez quoi maman? On ne peut pas réclamer son autorité alors qu'on ne joue pas la sécurité. C'est pas possible. Ne permettez pas aux femmes de jouer avec votre autorité. Non, tu cèdes une partie de ton pantalon à ta femme, elle va réclamer la moitié de ton autorité. Alors que l'autorité ne se distribue pas. L'autorité s'assume. Écoute bien. Tu veux faire de ta femme ce que tu veux, mets-la en sécurité, tu as fait ce que tu veux. La femme ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Mais si tu lui cèdes une partie de ton pantalon et prends sa jupette, elle va te prendre ton autorité. Et dès qu'elle te prend ton autorité, elle va te bafouer. Bref, ma personne, j'espère que tu as pris le temps de bien écouter le message de Coach Mada Sangaré. Mais avant d'aller plus loin, avant d'analyser ce partage détonnant que la Coach Mada Sangaré vient d'effectuer avec nous, permets-moi de me présenter. Je suis Valère Bélias, le promoteur de la maison d'édition, les éditions Argent Libre, la seule maison d'édition qui met en lumière massivement les auteurs entrepreneurs africains, ceux-là qui écrivent pour impacter. Donc si jamais en toi, il te brûle l'envie d'écrire un livre détonnant pour pouvoir impacter des générations présentes et futures, tu as une seule chose à faire, c'est de nous contacter sur notre site internet argentlivre.com ou alors nous laisser un message au numéro qui s'affiche juste en dessous de cet écran. Et en parallèle de tout ça, si tu résides du côté du Cameroun et que tu cherches une belle noire SUV pour te déplacer en toute sécurité, eh bien, tu as une seule chose à faire, c'est de nous contacter au numéro qui s'affiche juste en dessous de cet écran et tu pourras bénéficier d'un service impeccable en ce qui concerne le déplacement en VTC sur le pays. Cela étant dit, on peut rentrer dans le vif du sujet. Alors, tu sais, je sais que par les temps qui courent, on a beaucoup le mouvement féministe comme quoi les femmes revendiquent leur indépendance et tout le bazar. Bilan des courses, beaucoup d'hommes ont cessé d'être des hommes, avec grand, des hommes, des véritables hommes, ceux-là qui assument leur autorité, ceux-là qui assument leur rôle d'homme dans une maison. Et donc, on voit de plus en plus des, moi je les appelle des pleureurs, je les appelle des nunus, je les appelle des gars mous. Qu'est-ce que j'entends par mou? Moi, j'estime qu'être un homme, c'est quelque part assumer son autorité. Et comme l'a dit la coach Mada Sangaré, tu ne peux pas vouloir dire que tu vas assumer ton autorité si tu ne mets pas ton autorité d'homme ou de mari, si tu ne mets pas ta femme en sécurité.
Et la sécurité, la femme a toujours recherché la sécurité parce que la femme, c'est elle qui doit s'occuper des enfants. Et quelque part, pour s'occuper des enfants, elle a besoin d'un cadre sécure. Voilà pourquoi la première chose qu'une femme cherche venant d'un homme, c'est la sécurité. Et j'entends par sécurité. La sécurité, il peut y avoir la sécurité financière, il peut y avoir la sécurité physique. C'est pour ça que très souvent, les femmes aiment des hommes qui sont plus grands de taille qu'elles. Parce que ce type d'homme-là, il se dit, si j'ai un monsieur qui est plus grand de taille que moi, plus costaud que moi, c'est quelqu'un qui me mettra en sécurité si jamais les gens m'attaquent. Donc, quand on se dit, ok, physiquement, je ne peux pas jouer là-dessus, mais ils vont mettre des femmes en sécurité parce que financièrement, ils sont calés. Donc, on va mettre les femmes en sécurité parce qu'ils ont une certaine aura, ils ont un certain charisme dans leur manière de procéder. La question, c'est maintenant, toi, tu n'as rien de tout ça. Tu n'as pas de charisme, tu n'as pas d'aura, tu es broke financièrement, bref, tu n'as rien. Et c'est toi qui attends d'avoir une copine comme Beyoncé. Ça ne marche pas, ça ne marchera jamais. Moi, je vois de plus en plus des hommes qui se disent « Ouais, je vais être dans le foyer avec ma femme. » Non, 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 mon cher ami. Quand tu es dans un foyer avec une femme, qu'on ne te cache, qu'on ne te distrait pas. Récemment, il y a une dame, une ancienne ministre ici en France qui disait que « Ouais, pour elle, il faut qu'il y ait l'égalité des sexes. » Donc, elle est même allée jusqu'à pousser le vice à tel point que son mari a décidé de s'occuper des enfants. Il est devenu père au foyer pendant qu'elle, elle allait travailler. Bilan des courses. Elle a fini par quitter cet homme-là dont elle disait que c'est ce qu'elle voulait. Elle attendait d'un homme, égalité des sexes. Donc, pourquoi est-ce que les hommes ne devraient pas rester à la maison s'occuper des enfants pendant que les femmes allaient travailler, égalité des sexes? Bilan des courses, elle a quitté cet homme pour se mettre avec un multimilliardaire qui, je suis sûr, ne choisira jamais de s'occuper des enfants pour que sa femme aille travailler. Tu vois un peu le délire? Tu sais, la nature a des lois. Et l'une de ces lois dit que décider d'être un homme, c'est d'essayer de prendre sur toi, d'assurer la sécurité de ton foyer. Donc, même si ta femme gagne plus d'argent que toi, même si sa copine gagne plus d'argent que toi, mon cher ami, c'est toi l'homme. C'est toi l'homme. Et elle doit sentir que ce n'est pas parce qu'elle gagne plus que toi que désormais c'est elle qui... Non, c'est toi l'homme. Il y a des choses que tu ne dois pas accepter. Quand je dis souvent que les pauvres sont égoïstes, les gens disent que non, machin, ce sont des feignants qui trouvent que les pauvres ne sont pas égoïstes. Je dis bien que ce sont des hommes feignants qui trouvent que les pauvres ne sont pas égoïstes. Je vais expliquer. Mais dis-moi un peu, si tu décides que tu veux avoir une certaine autorité auprès de ta femme, c'est que tu veux la mettre en sécurité, il va de soi que pour la mettre en sécurité, il faut un minimum de confort. Elle a besoin d'un minimum de choses pour se sentir en sécurité avec toi. Mais c'est toi qui ne fous rien pour gagner de l'argent. Tu es un homme feignant. Tu ne fous rien et tu te dis que la femme va m'aimer avec ce que j'ai. Pardon, on va t'aimer avec ce que tu as. Quand on a faim, c'est compliqué d'être amoureux. Toutes les femmes au monde aiment les hommes ambitieux. J'ai même dit que à un moment donné, ta femme doit t'admirer en tant qu'homme. Je répète, chaque femme aime avoir le sentiment d'avoir un homme qu'elle admire pour ce qu'il fait, pour ce qu'il a, pour ce qu'il est. Oui. Je te le dis aujourd'hui, je te le tape sec. Ta femme, ta copine doit t'admirer. Si ta femme, ta copine n'arrive pas à t'admirer, je te dis une chose. Vous n'allez pas faire long feu. Et il faut être OK avec ça. Si ta femme, ta copine, ta conjointe n'arrive pas à t'admirer en tant qu'homme, vous n'allez pas mettre long feu. Et maintenant, on admire qui? On admire les hommes qui ont le courage d'aller où les autres n'ont pas le courage d'aller. On admire les hommes qui accomplissent. On admire les hommes qui bâtissent. Oui. Parce que quelqu'un qui génère beaucoup d'argent, c'est quelqu'un qui bâtit, c'est quelqu'un qui accomplit. Voilà pourquoi tu verras qu'il y a certains hommes qui ont beaucoup plus de succès auprès des femmes que d'autres hommes. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Oui. Donc si aujourd'hui tu estimes que tu n'as pas de succès auprès des femmes, construis-toi d'abord. Construis-toi d'abord. Bâtis. Il y a quelqu'un qui construit, qui a de l'influence, qui a de l'impact. Pourquoi est-ce que très souvent les femmes aiment les hommes célèbres? Parce que les hommes qui sont célèbres ont un certain aura. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ils ont de l'aura, ça leur donne un certain charisme, ça leur donne une certaine prestance. Et en général, ce sont des personnes qui ont travaillé leur prestance et leur charisme. Oui, voilà pourquoi ils arrivent à être célèbres. Et c'est pour ça que très souvent, les femmes aiment les hommes célèbres. Et l'inverse n'est pas toujours vrai. Parce qu'un homme, lorsqu'il va avec une femme, il s'en fout totalement de sa célébrité. Un homme, quand il va avec une femme, il va avec une femme qui va le faire sentir homme, qui va faire en sorte qu'il se sente homme, qui va faire en sorte qu'il se sente viril, qui va faire en sorte qu'il se sente utile dans sa vie.
Un homme cherche, la première chose qu'un homme cherche, c'est une femme. La première, c'est la douceur. La deuxième, c'est la paix. En tant que femme, donne ces deux choses-là à ton homme. Fais en sorte qu'il sente qu'il a sa place d'homme. Que tu ne remets pas en cause son autorité et tu auras tout gagné. Et tu auras tout gagné. Mais bien sûr, toi, en tant qu'homme, si tu ne veux pas que ta femme remette en cause ton autorité, comme l'a dit la coach Mada Sangari, il faut la mettre en sécurité. Et puisque si nous sommes sur une chaîne qui parle d'argent, il faut la mettre en sécurité financière. C'est fondamental. Donc ne sois pas ce genre d'homme qui dit que ouais, l'argent ne fait pas le bonheur. Tu vas offrir quel genre de vie à ta femme si tu es broke financièrement? Moi, je dis toujours que quelqu'un qui pense à sa femme va aller bosser 10 fois plus pour mettre sa femme en sécurité. Voilà pourquoi je dis que les pauvres sont égoïstes. Parce qu'ils ne pensent qu'à eux. Ils ne pensent pas au type de vie qu'ils veulent donner à son épouse. Forcément. Forcément. Donc, en tant qu'homme, c'est vrai, une femme peut faire des cadeaux à son homme. Oui, c'est très bien. Mais en tant qu'homme, tu dois comprendre que c'est à toi de créer le cadre approprié pour ta femme. Et on ne dit pas oui, non. Par moment, même si ta femme, ça va, c'est, des fois, tu vas dire, ok, j'ai mon job, j'ai mon business. Des fois, tu vas prendre ta go, tu la mets de côté. Quand il dit de côté, c'est entre parenthèses. Tu la mets entre parenthèses pour mieux développer le job afin que vous puissiez en profiter ensemble. Mais bien sûr, il y a une manière de le faire. Mais tu dois comprendre que c'est fondamental qu'en tant qu'homme, que financièrement, tu sois calé. C'est très, très, très important. Et tant que les hommes vont nier cette loi-là qui dit que c'est à l'homme de mettre sa femme en sécurité, eh bien, sache que tu auras toujours des problèmes avec les femmes. Forcément. Donc, n'écoute pas tout ce bruit que les médias font, tout ce racontage-là. D'ailleurs, on voit ce que le féminisme est en train de donner même ici en Europe. On le voit. C'est qu'on a lancé un mouvement où les hommes ne cessent d'être des hommes, on se demande si ce sont des femmes, des hommes qui n'ont plus, ils ont du mal à s'affirmer en tant qu'hommes parce qu'ils ont peur qu'on dise qu'ils sont trop machos. Bilan des courses, on le voit ici. Les hommes qui cessent d'être les hommes, mais qu'est-ce qui se passe avec les femmes? Au final, ils sont trop gnagnons, trop, bref, ils sont trop mous, ils sont même des hommes féminisés. Du coup, même les femmes qui se mettent avec lui au départ par rapport à ça, à un moment donné, tu ne les fais plus vibrer en tant qu'hommes parce qu'une femme, elle recherche des hommes virils. Mais si toi tu es toujours là, tu es un peu bizarre, un peu mou, au bout d'un moment elle va te lâcher pour être quelqu'un plus viril. Les femmes, à ton avis, pourquoi est-ce que les femmes aiment les bad boys? Parce que les bad boys sont virils. Et ils l'affirment. Maintenant tu n'as pas besoin d'être un bad boy pour plaire aux femmes, non. Tu as besoin de leur offrir ce qu'elles demandent, c'est de la sécurité. Quand je parle de sécurité, je parle entre autres de sécurité financière. Et pour ça il faut travailler. C'est de ça qu'il s'agit. Si tu as bien compris le message de la coach Mada Sangari, crois-moi sur parole, tu cesseras d'avoir des problèmes avec la jante féminine. Tu vas te rendre compte que tu auras beaucoup plus de prétendantes que ce que tu pensais. Les femmes admirent les hommes qui accomplissent, qui bâtissent, qui sortent des sentiers battus. C'est peut-être vrai qu'au début, ça va être compliqué, mais crois-moi, quand on va te voir grandir, quand on va te voir te construire, elles n'auront pas d'autre choix que de venir à toi. C'est comme ça que les choses fonctionnent, mon gars. Donc, cherche ton argent. C'est fondamental, c'est ça qui va te permettre de devenir un, j'ai envie de dire un homme, un mâle alpha. Les femmes aiment des hommes qui s'affirment. Oui, les femmes aiment des hommes qui s'affirment, qui n'ont pas peur de donner leur position. Et de dire que pour moi, parce que pour moi, j'ai toujours dit, pour moi, si je me mets avec une femme, qu'elle sache qu'elle doit faire la cuisine. Et moi, je suis, donc, pour moi, c'est sans équivoque. D'ailleurs, si je ne sais pas faire la cuisine, je ne vois pas comment on va se mettre ensemble. Déjà. Et je l'ai dit, je ne le cache pas. Et les femmes aiment les hommes qui prennent des positions comme ça. Oui. Pas les hommes qui disent, bon, peut-être qu'on trouve des formes. Non, tu dois avoir tes positions sur certains aspects. Je n'ai pas dit sur tout. Sur certains aspects, tu dois avoir des positions bien arrêtées. Et la femme qui vient, c'est que moi, c'est comme ça. Moi, j'ai toujours dit à ma go que moi, ok, de temps en temps, je peux faire la cuisine. Mais sache que moi, dans la maison, ce n'est pas une tâche que je ferai tout le temps. Si avec ça, on est ok. Mais c'est pour moi, un homme doit sortir, doit aller se chercher. Dans les histoires que les hommes restent à la maison, c'est les femmes qui vont chercher la manger là. Ça n'a aucun sens. Tu perds ton autorité, forcément. Donc, chaque homme doit sortir choqué pour ramener quelque chose à la maison. Chaque homme doit avoir son argent. Chaque homme doit avoir son argent. Donc, moi, je m'adresse aux filles. Si tu vois un homme qui n'est pas ambitieux, il n'a pas d'argent, il ne se bat pas. On s'en fout de l'amour parce qu'au bout d'un moment, quand on a faim, l'amour, là, on s'en fout de ça. Donc, si tu vois un homme qui n'est pas ambitieux, qui n'a... parce qu'aujourd'hui, la richesse, c'est quoi? Ce sont des échelles, des marches à grimper. Donc, je peux voir quelqu'un qui aujourd'hui n'a rien, mais c'est quelqu'un qui a une vision, c'est quelqu'un qui est ambitieux, et tu décides de te mettre avec lui pour aller là où il souhaite aller. Mais tu ne peux pas voir quelqu'un qui n'a rien, qui n'a pas d'ambition, qui n'a pas d'objectif, qui n'a pas de vision de la vie, et tu dis que je te mets avec lui, tu vas le changer. Non! On ne change personne. Tu dois te mettre avec quelqu'un qui sait déjà où il veut aller.
Et maintenant, toi, tu viens pour l'aider à aller où il va aller. C'est pas qu'il ne sait même pas où il va aller. C'est toi qui veux venir nous montrer ou non. Ça ne marche pas comme ça. Et toi, en tant qu'homme, tu te dois d'avoir une vision. Parce que décider d'être un homme, c'est décider d'être un leader. Ça, c'est la vision que moi j'ai et je suis OK avec ça. Et tant et aussi longtemps que les hommes n'accepteront pas ça, vous aurez toujours des problèmes avec les femmes. Parce qu'elles vont vous le faire savoir. Oui. Donc, devenez des hommes, prenez vos responsabilités d'hommes et prenez des positions en tant qu'hommes. Ça ne va pas plaire à toutes les femmes, mais on s'en fout. Il faut que ce soit OK avec vos valeurs intérieures. Parce qu'aujourd'hui, les hommes ne peuvent plus dire que ça, c'est un travail pour les femmes. Et ça, c'est un travail d'hommes. Et tout de suite, on va les traiter de misogynes, je vais dire quoi, de machistes et tout. Oui, si c'est ça, si moi dire que ma femme doit savoir faire la cuisine, c'est dire que je suis misogyne, j'accepte. Si le fait de dire que ma femme doit faire la cuisine, ça fait de moi un macho, je suis macho. Si le fait de dire que j'attends de ma femme qu'elle s'occupe de nos enfants, moi, forcément, moi, je suis OK avec le fait que ma femme va s'occuper peut-être de 70% parce que moi, je dois aller chercher l'argent. Oui, c'est vrai qu'elle doit aussi chercher sa part, mais je dois aller en chercher beaucoup plus. Ça, c'est le challenge que je me suis donné. Oui, si dire ça, c'est être misogyne, c'est être macho, OK, Valère est macho et tu dois être OK avec ça. Je te rassure, les femmes aiment ça. Les hommes qui sont sûrs d'eux, les hommes qui sont sûrs d'eux, qui ont des positions et qui les assument jusqu'au bout, les femmes aiment ça. Donc, la société ne t'étouffe pas avec des discours bateaux qui font socialement correct, mais dans le fond. Toutes ces femmes-là qui disaient que je n'ai pas besoin d'un homme. Toutes ces femmes qui disent que j'ai besoin d'un homme qui soit, je ne sais pas trop quoi, mou, machin, c'est faux. Les femmes aiment les hommes attentionnés, mais qui gardent leur virilité. Donc, tu dois faire preuve de virilité de par tes prises de parole, de par ta posture, de par ta carrure, de par ta manière de t'exprimer, mais aussi de par ton charisme financier, de par tes ambitions, de par ta vision. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, vraiment merci la coach Mada Sangaye pour cet éclaircissement supplémentaire afin que nos hommes-là se bougent un peu plus, qu'ils prennent leur place d'homme parce qu'on en a besoin. On n'a pas besoin de pleureurs. On n'a pas besoin de pleureurs parce que nous sommes dans un environnement où on dit « Oui, un homme, ça doit pleurer. » Nanani, nanana. Moi, je dis qu'un homme ne pleure pas. Moi, je dis, je l'assume. Si un homme doit pleurer, il doit aller pleurer seul quand personne ne le voit. Parce que les femmes vont dire « Ouais, un homme qui pleure, c'est quelqu'un de sensible. » Voilà, il pleure, il vient de pleurer. On ne pleure pas, mon cher ami. Non, si tu veux pleurer, tu vas pleurer dans ta chambre. Et après, tu reviens. Un homme vaillant, c'est ce visage-là que tu dois montrer. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ma position et je l'assume. Maintenant, il y en a qui peuvent ne pas être d'accord, mais c'est ce que je pense et c'est le message que je véhicule. Merci beaucoup, la coach Mada Sangaye, pour cette piqûre de rappel. Si jamais parmi vous, il y en a qui ont aimé cette vidéo, likez, partagez. Et on se rend rendez-vous à la prochaine vidéo. Minakano. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie.